Salut les amis, c'est SBP, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, la remise en état d'un scooter Kymco 54 temps. Je vais tout de suite aller le nettoyer et on se retrouve après. A tout de suite. Alors les amis, on se retrouve pour la petite vidéo du scooter Kymco. Voilà, on va faire l'état des lieux. Donc là, je viens de le nettoyer au Karcher. Donc là, il a repris un peu de peps, un peu de couleur. Il est comme neuf. Donc le souci, c'est qu'il ne démarre pas. Problème de batterie ou problème électrique. La révision n'a pas été faite. Donc voilà, on va faire la petite révision. Vidange, bougie, filtre air minimum. Voir ce que ça donne. Les deux serrures ont été forcées. Serrure d'ici et serrure. Je vais vous faire voir. Serrure de réservoir. Donc réservoir à changer, carénage à voir. Voilà. Donc en fait le gars il a laissé dans un garage. Donc dans un garage chez lui. Donc il s'est fait péter les serrures. Donc voilà. Et puis déjà on va essayer de le démarrer. On va essayer de le démarrer au kick. Le démarrage. Électriquement, il ne démarre plus. Il n'y a plus rien. Donc, je pense que la batterie, elle a un coup. Vous voyez, il n'y a plus rien. Un coup dans la. Donc, déjà, changer la batterie. Vous voyez, là, il y a le contact. Pied sur le frein. On va essayer de le démarrer au kick. Hop là. On va voir s'il démarre. Donc pas de démarrage, bon, pas de démarrage et en plus le kick, quand on met un coup, il reste vers le bas. Donc je pense qu'il y a quelque chose de, un petit ressort, un petit quelque chose à changer dans le carter. Et ben on va faire ça, on va tout démonter les carénages, on va faire ça, on va changer la batterie, je sais pas où elle se trouve là-dessus. Je crois que c'est sous le tablier, je suis pas sûr mais bon. Allez, je vous fais un petit accéléré de tout ça.
Bon alors les amis, je vous fais voir ce que j'ai fait un petit peu. Bon, regardez pas trop le bordel, je sais, il y en a partout, mais bon, voilà. J'ai démonté la batterie, je l'ai testée, il y a 7 volts, donc je pense qu'elle est bien morte. Voilà, je l'ai mis en charge, on va voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai pas trop de... J'y crois pas trop. Donc il y avait les serrures à changer, donc j'ai commencé à démonter les carénages, tout ça, le top case, vous avez vu tout ça. Voilà, il y a le réservoir aussi à changer, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, la trappe elle est bien défoncée. Ça me de changer le réservoir parce que celui-là il est bien propre. Je vais essayer de refaire un petit truc. On va voir ce que ça donne. Donc, top caisse, carénage. Voilà, faut y aller mollo, faut regarder, faut analyser. Ça se fait bien. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté aussi des pièces d'occasion. Quand j'ai eu le scooter, j'ai anticipé, j'ai acheté des pièces d'occasion. Donc, j'avais acheté une batterie d'occasion. Mais la batterie elle est complètement morte. Voilà, vous avez vu que j'avais testé. J'ai acheté un carénage, mais bon, il n'est pas en super état. Voilà, je sais pas si vous voyez dans la vidéo. Voilà, je sais pas, il est un peu rayé là. Ouais. Donc on va voir ce qu'on va faire, si on va le changer ou pas. Voyez les petites rayures, tout ça, bon. J'ai acheté un réservoir avec la trappe à essence. Donc réservoir complet, trappe à essence, carter pour le kick. Excusez-moi. Carter pour le kick avec le ressort et tout. Voilà. J'ai aussi acheté les deux Neyman. J'ai anticipé un Neyman pour le contact et puis un pour la serrure. Voilà, elle est là. La serrure de coffre de sel. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer juste la trappe et de refaire l'entourage du réservoir. Ça serait bien. Parce que j'ai pas envie de changer le réservoir. Celui-là, il est tout pourri, vous voyez, il est tout vieux, il est un peu rouillé. Voilà. Alors que l'autre, il est comme ça. Vous voyez, il est en super état. Hein. Le scooter, il a 1500 km. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déposer les carénages pour avoir accès au Neyman. Voilà. Vous voyez. Donc, faut que je dépose. Je sais pas s'il faut que je dépose que la partie arrière ou la partie arrière avant. On va voir ce que ça donne. Allez, et ben je m'y mets et puis on se retrouve tout à l'heure. Je l'ai rechargée, mais bon, elle est HS, donc demain je vais en acheter une neuve. Ce qui a été changé, ce que vous avez vu, c'est que le Neyman a été changé, donc ça c'est cool.
Impeccable. Voilà, le réservoir. Bon, j'hésitais à le repeindre ou pas. Bon, je vais le laisser comme ça. De toute façon, ça va être caché. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas super super, mais bon, voilà, il fait son job. Donc demain, on change bougie. On fait la vidange. J'enlève le carter de kick. Je vois ce qui se passe à l'intérieur. Et on remonte les carénages. On essaye ça. La batterie, j'espère en avoir une demain. On va essayer de le débarrer. Et puis voilà. Le filtre air, ouais, je vous ai parlé du filtre air, vous avez vu comment il est nickel, il n'y a même pas besoin d'y toucher, donc voilà. Eh bien écoutez, moi je range tout le bordel, et puis on se retrouve demain pour la suite.